Bonjour à tous, ça va être donc aujourd'hui on se retrouve sur la suite du Let's Play de One Piece, donc pour le chapitre 4, épisode 1. Donc level moins 30, je suis 33, donc ça devrait pas être trop compliqué non plus. C'est parti. Me revoilà. Donc là c'était la cinématique avec Raylight et la marine qui arrive pour nous encercler. Et normalement un amiral qui devrait pas tarder à suivre. Donc on va voir ce qui va se passer. Déjà on est bien encerclé dès le début. Et il y a l'eau avec nous en partenaire. Je sais pas si on va jouer l'autre là qui comment dire, il a le pouvoir un peu démenté là. Il attire les armes et il se fait des gros bras, des trucs. Je sais plus son nom à lui. J'ai pas encore vu dans le jeu, je ne sais pas s'il y est. C'est dommage parce qu'il avait l'air pas mal aussi comme perso. Bon, on va faire un peu de ménage. Là, il commence à avoir du monde. Voilà. Il en reste encore. Je pense que là, c'est bon. Là. Alors où est-ce que je dois aller là? Je suis dans une zone quand même assez restreinte, il n'y a pas des portes ouvertes. Je vais attendre devant cette porte là. Ouais. Ah, j'ai plus de partenaire du coup. À 6€ maintenant, c'est bon. Donc Octo, qu'est-ce que tu fais? On va aller voir par là-bas, histoire de faire le ménage. Voilà pour ici. Et si ça arrive encore. Voilà. Il y a du monde qui tourne autour d'Octo là, faut que j'aille le voir. Ça va être vite fait. On va essayer quand même d'avoir le rang S dans ce niveau, ce serait pas mal. On va voir si c'est possible. Je fais cette attaque comme ça, j'attaque plus loin en fait. Et ça me permet du coup de tuer plus d'ennemis et plus rapidement. Voilà. Donc quand même pas mal de monde hein. Ça devrait pas être dur à avoir le rang S hein, du coup. Voilà.
Voilà. Je sais pas s'ils apparaissent à l'infini là, mais... Il y a encore du monde autour d'Octo. Voilà, j'allais le défendre. Ouais, vite fait quoi, il n'y a rien quasiment. Mais je crois qu'il a plus ses épées normalement à ce niveau-là de la série. Là, c'est pas Kuma, c'est un pacifista, je crois. Pour ceux qui connaissent. Les pacifistas sont des robots et Kuma, c'est la personne qu'ils ont pris exemple pour faire les robots. Pour mettre la même apparence, quoi. Et ils ont les mêmes styles d'attaque, les robots, mais bah. Ils ont pas de pouvoir, quoi, c'est mécanique. Donc c'est une petite cinématique en fait, là où Usopp demande où est caché le One Piece et que Luffy dit qu'il veut pas le savoir, que sinon il arrêtait la piraterie. Pour ceux qui connaissent la série, hein, c'est un moment assez sympa quand même. Hop là. Quand même pas mal de monde ici, hein. Et cette attaque est bien pratique pour les exterminer. Tiens, il y a une zone à conquérir ici. Ça va me faire des victimes supplémentaires. Dommage qu'il n'y ait pas assez de monde. Maintenant, autour de Usopp. Voilà pour ici. Alors, je vais aller à la prochaine zone. Arrête les ennemis et aide les alliés à s'enfuir, ok. Niveau 34 atteint. Moi, ouais, je vais peut-être utiliser mon pouvoir quand même. Ah, il a bien un Sogeking King là, du coup. Tant pis pour la pièce. Faut à tout prix que j'aille dans la prochaine zone avec ce pouvoir. Je vais aller chercher le coffre après. Et voilà. Je vais chercher le coffre avant de revenir quand même.
Sinon, ça va me faire trop de voyages. Il était de quel côté le coffre? Par ici. En fait, c'est. Si vous voulez. Si c'est bien comme dans le 2, normalement, quand on prend un coffre, ça nous donne une pièce supplémentaire à la fin du niveau. C'est pour ça que je tiens à aller prendre les coffres rouges. Kizaru. Là, il y a l'arrivée de Kizaru. Alors, zone capturée. Ah, il y a du monde qui arrive derrière, je vais aller voir ça. Je me demande qui c'est. Je sais pas si c'est secondaire ou si c'est la quête, je vais voir ça. Ah, Kizaru est optionnel. Faut que je m'en occupe. Il va être chiant à battre. Hein. Alors, remarque, pas sûr. Avec cette attaque là, ça a l'air d'être bien efficace contre lui. Ah non, bah un jeu d'enfant alors. J'aurais cru plus fort. Voilà, je suis quand même déçu. Voilà pour lui. Il y a encore quelqu'un d'autre. Nami va crever, mais. Elle est un peu loin quand même. Ah, Zoro aussi va crever, c'est pas bon ça. J'achève vite fait si je peux avant d'aller voir Zoro. Enfin, ouais. Hop, Zoro est sur le point de battre en retraite. Mais j'arrive, pas d'inquiétude. Ah ouais, d'accord, il est vraiment short, short, short. Est-ce que je vais avoir le temps de rejoindre Nami? Ça serait pas mal. Parce que sinon, mon attaque partenaire, en fait, je perds un partenaire pour l'attaque. S'il meurt. Donc c'est assez bien foutu là-dessus, mais c'est assez relou de... Tu perds en puissance quoi à chaque fois. Bah il est mort. Je vais passer... Oh non c'est fermé. Faut que je trouve un moyen... Bah en fait tout est fermé là. Je vais aller battre les deux points restants, ça doit être des pacifistas. Et ça devrait peut-être ouvrir les portes. On va où elle peut. L'attaque des pacifistas, c'est des lasers. Mais c'est pas un pouvoir, hein, c'est vraiment. Enfin, pour ceux qui connaissent la série, il n'y a pas de secret pour eux là-dessus. Bah, il est censé être mort. Pourquoi le point reste là, je sais pas. Ah, il y a une porte qui s'est ouverte. Je vais voir ça. Donc, hop. En plus, il y a pas mal de monde là-bas, apparemment. Ouais. Voilà, petit coup de nettoyage, ça va être facile, normalement elle abat. Je pense que là j'ai de quoi avoir le rang S. Ah remarque, on a changé de chapitre, donc je sais pas si s'ils ont augmenté le niveau, je pense que oui. Merde, c'est par là qu'il faut aller. Je vais aller dans la prochaine zone histoire de refaire des points. Ah
Voilà. Nettoyage fait. On va finir de capturer la zone. Voilà. Moi je vais aller sur le dernier territoire. Je crois qu'il y a deux pacifistas sur ma route en plus. Putain. Ils ont l'air bien relous. Et voilà, j'ai débloqué cette attaque là. J'étais pas sûr, mais là fallait que je teste. Il y avait une bonne occasion. Ah! Ouais, non, mais là ça va être un peu plus compliqué. Ah, je suis trop lent! Non, c'est horrible! Ah, je m'y attendais pas. J'aurais dû m'en douter quoi. C'est bon, les deux sont morts. Faut que je charge la barbe partenaire de Franky. On va profiter de cette zone pour ça. Merde. Voilà. Territoire pris. Et la barre de partenaire est pleine. Faut amener le pacifista vers l'eau. Est-ce que l'eau est dans la zone? Comment je fais pour savoir où il est? Comment je pourrais l'amener là? À moins que l'eau soit le point là-bas. À plein. Je vais vérifier déjà s'il est là avant de les emmener. L'eau est là, effectivement. Allez, viens, petit pacifista. Et merde. Est-ce qu'il va me suivre? Parce que ça a l'air relou, là. Ah mais merde, là ils sont relous les bleus. Quête secondaire à la con. Ouais, j'abandonne. Je vais aller aider Sanji. Bah oui que la zone elle a été capturée du coup. Il y a déjà un pacifiste ça dans la zone. Lui il fait pas partie de la quête secondaire, ce pacifiste là, je peux l'achever. Les deux sont avec l'autre pacifiste, ça je vais les rejoindre.
Est-ce que là on va pouvoir les achever pour de bon? Genre il s'avance plus ou... Ah, l'eau a l'air de se déplacer mais... Pas pour les attaquer quoi. Putain mais ils font chier là. Ils y sont vers l'eau là. Si on attend là, ils vont venir ou pas? Le but, je crois, c'est qu'ils rentrent dans la zone, en fait. Voilà. Ils ont pas l'air d'être motivés à rentrer, quoi. Ils reculent à chaque fois. Putain, il veut toujours pas y aller dans la zone. Si, il y a. Merde, je vais aller derrière lui pour le pousser aussi. Mission réussie, bah voilà. Il serait temps. Je vais reprendre les zones. Alors. Je vais faire ça, ça va être plus simple. L'équipage de chapeau de paille est par là. Ok. Oh, faut que j'aille aider le chopper, il est relou. Mais j'ai pas envie de le perdre. Pour le boss, je risque d'avoir besoin de lui. De toute façon, une zone à capturer, ça va me faire des points. Ah, voilà, les points sont faits. Je retourne là-bas. Là, je commence à avoir le temps de faire des allers-retours entre les zones comme ça, sans problème. Et voilà. J'ai un partenaire, deux, trois, quatre. Et là, je peux en avoir un cinquième avec là-haut. Ça va être le prochain que je monte. Territoire pris. Non, non. Arrête les ennemis et aide les alliés à s'enfuir. Ok. Bah là il s'enfuit non? Qu'est-ce qu'il fout? Un pacifiste ça qui le gêne. Merde. Je vais le calmer tout de suite avant qu'il lance son attaque. Bon, je vais aller par là pour charger ma barre de compagnon, enfin de partenaire, pardon. Il y a un pacifiste à réactiver.
Mais bon, il est pas gênant là où il est. Ça faut que j'aille aider l'eau maintenant. Merde, mal visé. Faut quand même que j'aille aider l'eau. Voilà, c'est bon, ma barre partenaire est pleine. Je vais vite aller à sa rencontre. Oh non, faut pas qu'il crève. Ouais, ça a l'air bon là, il clignote, mais qu'ils arrivent à revenir, c'est pas bon ça. Bon, on va faire ça en un peu plus violent. Mais merde, je crois que je l'ai raté. Ouais, je l'ai raté. Ah, je suis trop deg. Putain, l'eau, il est où là? Ah, la barque est déjà rechargée. Je vais avoir une seconde chance. En fait, il est bien résistant, quoi. J'aurais dû peut-être attendre un peu avant d'utiliser le sort, du coup. Est-ce que là, j'achève? Oh oui! Ah non! Non, genre! Il me reste un PV quoi. Je suis deg. Ça fait rien. Et voilà. Et voilà. Barre en S, parfait. Je pense qu'on approche quand même de la fin du jeu là. Il doit rester plus qu'un chapitre après ça. Donc faudra voir ça. Bon, bah à la prochaine tout le monde, salut !